Carlos et Stéphane viennent de partir de l'assistance, fin de spécial, RAS sur les deux voitures. On est environ 2 minutes de Nasser, soit moins d'une seconde au kilomètre. Roma, out. Crevaison pour Peter au 80e kilomètre. Ça dégonfle vite. Je vais essayer d'épargner le compresseur et de la mettre fermée. On va relever un peu la voiture, on va lui permettre un petit peu plus de capacité de franchissement. Demain, ce sera complètement différent. On ira jouer un peu dans le sable et là, ce sera vraiment un profil Dakar et c'est là que les choses sérieuses commencent. Notre ajouté, saigné dans G2. 200 mètres. Gauche, cap 360, mauvaise ondulation, piste sinueuse et mauvais dans le sable. Hemos tenido un accidente con una moto que venía en sentido contrario. Hemos parado y espero que esté bien porque ha sido bastante fuerte. On a pété la ville à direction. Donc non, une mauvaise journée. Mais bon, le premier problème, c'est de ma faute. Je tape un arbre. Mmh. La voiture, pas mal dans la piste dure, un peu façon double versée. Et là, après, on était dans du flèche-flèche, un peu comme la farine. Et là, dans la farine, elle m'échappe. Elle part d'un seul coup sur virage. Du coup, je me trouve à l'intérieur, il y avait un arbre. Ça a pris la roue avant, pété la ville. De fou. Je sais pas comment il fait dans l'habitacle, mais John Stéphane, c'est le premier coup que je le vois à chasse à l'arrivée. Elle est sortie, il était premier du tout. Et combien vous finissez là, 50 et quelques? Combien de minutes de 50 et quelques, hein? 60, c'est pas, par là. Mais c'est pas grave, attends, on a les trois bagnoles ce soir. C'est quand même vachement bien. Fait assécher par les températures à l'intérieur du cockpit, mais mets-toi dans un sauna à 60 degrés et tourne le volant et joue avec les pieds pendant 6 heures. On a mis 6 heures dans la spéciale.